Benetton, le mot courtoisie, il paraît un mot vraiment compliqué. Nous demandons nous-mêmes, mais c'est quoi la courtoisie? Qui était ça? Comment nous applique ça dans la vie? En fait, il y a un mot vraiment simple. Après, il y a une affaire vraiment simple qui nous fait dans la vie de tous les jours. La courtoisie, il commence dès qu'il vous réveille le matin. Comment vous sortez depuis le lit, vous sortez depuis dans la chambre, vous trouvez vos parents, vous allez bonjour. De là, tout au long de la journée, toute bonne personne nous côtoyer, nos voisins, nous sortons, nous prenons bis, le bis de bonne personne qui nous est autour de nous, nous souhaite un petit bonjour. Dans bis, quand nous pouvons voyager, nous disons nous bonne contrôleur, nous bonne chauffeur, merci. C'est un petit acte qui, en fait, c'est ça qui montrait la courtoisie. Un acte de courtoisie, c'est dans la vie de tous les jours, nous vivons. Par exemple, si nous pouvons rouler dans une auto, dans une voiture, nous trouvons une autre personne en face de nous, qui ouvre le chemin, nous disons donner le chemin, nous continuer. Mais ça fait nous-mêmes feel good. En fait, ça, l'autre personne a aussi peut-être que leur journée vous passe mieux. Qui fait, par exemple, comment dire, nous rush, nous pas donner le chemin, mais nous-mêmes nous passons pour feel good about that. Et ça me donne un petit acte qui fait nous feel happy et qui amène nous un bon pour dans nous, la vie de tous les jours. Je prends l'exemple de sa chef de l'entreprise. Comme s'il est courtois envers un employé ou une personne qui peut travailler autour de lui, madame qui peut nettoyer là, les Israéliens, c'est un petit bonjour, merci pour ce qu'il peut faire. Mais ça, il apporte beaucoup de sérénité, au fait de l'harmonie dans la vie de tout le monde qui est autour de nous. Par exemple, si nous avons la banque et un long lac qui est devant nous, nous trouvons une autre personne une rentrée qui paraît souffrant ou une personne âgée, nous capable de donner une place, une espace devant nous. Cette personne-là vous fait assez bien et si la journée passe plus bien, peut-être nous aussi la journée vous passe bien. Enfin, c'est un petit acte qui apporte nous beaucoup de bonheur dans la vie. Un acte de courtoisie, c'est ce qui nous apprend. Au fait, un enfant, il peut observer ce qui peut passer autour de lui, il peut tendre et il reproduire tout ce qui peut passer autour de lui. Si un parent ne pas dire merci, ne pas dire bonjour, pas montrer sa bonne acte de courtoisie là, les enfants là aussi, ils pas pour connaître, ils pas pour apprendre sa bonne simple petite quelque chose là, qui demain pour faire vivre un adulte assez responsable et il peut avoir beaucoup de gentillesse et il est capable d'apporter ça dans la société qu'il peut vivre demain. Et par la suite, demain, ces enfants-là, quand ils peuvent devenir adultes, ils peuvent partager ça, ils peuvent inculquer ça à les autres, ce bon enfants par exemple. Et de là, comme si like a continuous cycle, ils follow. Tout ce qu'ils peuvent faire autour de nous, c'est une reproduction de ce qui va en quelque chose qu'ils nous trouvent, nous observer, nous apprendre. Et ça fait nous grandir. Et en tant qu'être humain, nous avons l'espoir pour le bonheur autour de nous. Nous là pour apporter la joie et vivre en paix.